Eh bien, salut tout le monde, c'est Crydex et bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alliance of Valiance Arms FR. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc je vais faire une partie mitraillette fantasin et une partie sniper. Donc je vais commencer par la partie mitraillette sur une map qui se surnomme Pyramide. Donc je voulais vous parler aussi un peu de la FAQ. Donc déjà merci pour ceux qui m'ont donné 22 questions. Donc il m'en reste plus que 7 questions et après tout va bien, il faut que j'en aie 29. Ou oui, 29 ou 30 questions, ça dépendra. Donc si on peut avoir plus de questions, bah ça serait vraiment vraiment bien. Donc tout simplement, et ben il faut vous poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Donc là je viens de te faire une petite doublette ou triplette, je sais pas. Je crois que je vais plus faire une double. Donc si ça fait ça comme d'habitude, c'est parce que la connexion n'est pas terrible. Donc ça m'arrive une fois par mois. Non quand même pas, mais ça arrive pas non plus souvent. C'est des brouilleurs de connexion, c'est des petits problèmes de connexion en fait qui font arrêter le jeu pendant 2 secondes en fait. Ah non, j'ai jeté ma grenade alors qu'il y a un mec derrière. Donc je vais pas me faire avoir. Là voilà, je me fais avoir. De toute façon c'était sûr et certain que je vais me faire avoir. Donc comme vous voyez ici, hein, c'est vraiment un superbe jeu avec de super bons graphismes. Même si les maps sont petites, il y a des maps vraiment vraiment grandes. Ah je l'ai tué, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah la mitraillette, headshot. C'est pas comme ça qu'on fait mon grand. Je t'apprends, voilà. Tu recules pour recharger et t'avances. Des fois tu peux même faire des petits pas de saut et tu recules avec tes amis. Toujours être entre amis, pardon. Voilà, là je viens de refaire une doublette. Ah, j'ai plus de balles, oh my god. Pardon. Donc ça commence très bien. Ah, dommage. Bah, j'étais à 5 kills d'affilée. Ouais, 5 kills d'affilée, ah, c'est bien quand même. Ouais, alors lui je l'ai complètement raté, donc je suis désolé. Donc je fais pas non plus tout le temps des bonnes parties, donc on va préciser maintenant. Je fais pas tout le temps des bonnes paroles. Ouais, et hyper bonne partie, mais je fais quand même des scores positifs, je fais du 5-4. Normalement, mon meilleur score sur cette map c'était du 24-2, donc je pense pas que je vais le refaire quand même, parce que c'était... On va dire que ça a été une journée entière que j'ai été en train de jouer à ce jeu, donc c'était quand même assez chaud. Là c'est ma toute première partie. Donc je m'excuse, mais la première partie c'est pas la vitesse le plus chaud, hein. C'est souvent la dernière partie où j'ai fait le plus de games, donc c'est pas des games en plus, c'est des kills. On en a quoi. Oh, triplette, je connais à préciser que là j'ai fait une petite triplette. Donc petite triplette, ouais, c'est plus chimique, mais j'ai fait 3 kills d'affilée. Vous voyez, je fais quand même des assez bons kills, hein. C'est pas non plus... C'est pas non plus que de la merde, hein. Quand même. Ta grenade elle m'a rien fait, connard. Pardon. Ouais. Quand je suis mort, franchement, c'est obligé que j'étais mort. Ils sont en train de couvrir après. Ah, c'est parti. Donc, 17, comme ça, on est en train de sport. Attends, toujours à 2, gars. Toujours à 2, tu attends, toujours à 2. En binôme. Bon, je voulais absolument changer d'arme. Et là c'est mon arme préférée, la K47.
c'est vraiment mon arme préférée, celle-là. C'est la prochaine arme que je dois acheter. Bien joué à toi, ça va être un petit moteur. Le SRF. Je vais prendre une prochaine arme, c'est le SRF. Voilà, c'est ça. Et la K47. Donc ce qui est bien sur ce jeu, c'est que ça peut être un avantage, mais aussi un désavantage. C'est qu'en fait, on gagne des armes, en fait, on les débloque pas. Tous les cas là, on les débloque. Sauf que là, on les débloque même pas du tout. En fait, on les achète, en fait. À chaque fois qu'on passe un niveau, on gagne beaucoup d'argent. Et c'est ce qui nous permet d'acheter des armes. Donc la K40, elle est à 60 000 et moi, je suis à 50 000. 40 000, oui. Et tu gagnes 10 000 par niveau, donc j'ai encore deux niveaux, je me paye la K47. Donc bah là, je suis assez content, le BG à VA. Donc il n'y a pas d'équipe, etc. C'est ce que j'aime. Il y a des trucs, c'est des drôles en fait de reconnaissance que tu gagnes et bah c'est vraiment très efficace. Donc il y a juste quand même un petit bolos parce que tu savais que j'étais ma grenade du reste. Oui, après, on est 37, mais la partie de l'être sans mémoire. Ah bah, non, là, là, là. Ouf, oui, d'ailleurs. Je vais acheter un peu de moi. Vas-y, ça va pas s'en prendre, il a une grosse. C'est pas moi qui. Ah, si, c'est moi qui l'a fait. Ah, il m'attendait au fond, bien joué avec ta grosse mitrailleuse. Donc c'est vrai que normalement le nôtre il doit se mettre ici là et attendre que j'en passe, sauf que nous on attaque dans le coin ennemi. En fait il peut pas faire bien les choses. Et là je vais prendre une arme. Oh là 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 là, c'est quoi cette arme? Pardon. Ah c'est pas une bonne arme. J'ai cru que ça va être une arme qui déchirait, mais en fait non. Donc ouais, je fais quand même une assez bonne partie en 13. Hein. J'enchaîne quand même 4 kills, donc je meurs souvent, hein. C'est normal, on peut pas mettre. Oh j'ai cru que c'était un ennemi. On va changer maintenant s'il y a beaucoup d'ennemis qui arrivent. Autant on va chasser le grenade si un ennemi qui arrive. On va jamais faire comme ça, fais comme ça. Mais c'est pas joli. Donc je fuis parce qu'en fait je recharge à chaque fois. Après tu reviens à l'attaque. Ils sont malins, ils t'attendent en fait. Ils sont malins. Ils sont pas assez malins. Hop. Ah, je vais te chercher dans la main. Ah, bien joué. Oh, je vais quand même tuer. Un score positif, on va faire ça. Il y a tout le temps du monde de nous dire. Ah mais voilà, merde. J'ai pas été sur les gardes en fait. Je me tue. Je vais vous donner le réveil, je suis pas chaud, je vais me mettre en partie. Okay.
des changements de côté, parce que c'est quand même assez bien en force de casser du mur à côté. Oh les gars, faut quand même attaquer, hein, faut pas non plus rester tout le temps sur ces... Epic Battle. Non, c'est là... Je déteste passer par la droite, je vais essayer de tester juste avant la vidéo. En fait, je suis en train de m'en rendre compte, à chaque fois que je vais à droite, c'est... Tout le monde est à droite, à chaque fois que je vais à gauche, tout le monde est à gauche, à chaque fois que je vais à droite, tout le monde est à droite. Ouais, 24-19, ouais. Bon bah, c'était la partie mitraillette, hein. Donc, petite partie mitraillette. Donc, fini le sniper, hein, je préfère direct. Le sniper, c'est pas du tout mon truc. Vous allez me dire... Ouais, c'est ma l'ambiance là. Donc je suis prêt, je suis prêt. Non, je te mets, mais je me dis, mais... qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je vais sur du battle. Comment ça? 4, 3, 2, non, 4, 3, 2, 1, let's go! Partie sniper. Donc la partie mitraillette s'est bien passée, score positif tout. La partie sniper va mal se passer, je pense. Parce que le snipe c'est pas mon truc. Pardon. Donc bah, je peux aller je vais faire un ou deux kills à la mitraillette. Je promets que si je trouve un sniper, je vais faire un sniper. Ouais. Faut jamais mettre une bizarre. C'est pas grave, autant tenter, voilà, c'est parti. Donc je vois qu'on est en train de se faire dominer, mais vraiment dominer, donc je pense que le sniper ça va pas être le show. Ah bah... Oh foufou, je l'ai eu, je l'ai eu. Ah ça va, il était quand même assez joli ce qui je trouve. Et boum. Toujours tenté hein. Oh pardon pour gaffe à toi. Ça arrive bonhomme. La bonhomme. Oh il est bien pris cher hein. Donc c'est un tic à chaque fois de regarder le classement. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui meurent ou qui se passent un petit pont et qui regardent le classement. Oh là là. Voilà mais voilà, cette peur ils sont la mitraillette, qu'est-ce que tu veux faire de filage code comment tu fais un flash code comme ça. Ouais ok mais, ouais, j'en ai fait un pic à jolie. Ils étaient 4 devant moi, genre je suis bon, ça fait ça, boum, boum. Moi je fais boum, boum. Bon. 5-4 ça va je fais. Ça me déprime. Pareil au sniper, attention, j'aime bien le sniper, mais je suis archi nul en fait. Je précise, là je fais des kills que tout le monde peut faire, hein. Les kills où le mec ne bouge pas, c'est assez facile. En fait, là il y a du Q-Ball. Ouais j'ai essayé de faire un flash cut mais exécrable. Voilà exécrable flash cut. Oulalalala. J'étais horrible flash cut. Ouf 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 ouf. Là j'ai pris le sniper, c'est pas le même calibre hein. C'est pas le même calibre. Le M1
voir s'il est content. Et il a chier. Il est complètement chier que tu vises rien, tu vises comme ça alors que c'est un sniper, c'est un vrai sniper. Non, du 7-7 au sniper. Donc c'était quelques petits kilos sniper, hein, 7 kilos sniper. Pas super volé, je suis mort cette fois. Donc bah parce que regardez, j'ai gagné un peu d'argent parce que j'ai fait un défi. Donc j'espère que cette petite vidéo, ces deux petites parties Alliance of Valiant Arms vous aura plu. Donc on va se quitter sur ça. Donc la prochaine vidéo, ça sera une FAQ, ouf, le deuxième épisode de la série Hunger Games. Donc j'espère que ces deux petites parties sniper et mitraillette vous auront plu. Donc c'était une petite, deux petites parties comme ça pour faire voir un peu l'amélioration qu'on peut avoir en une semaine. Au sniper, je me rappelle dans la vidéo précédente, avant je faisais du 1-7, à la mitraillette je faisais du 2-14 à peu près. J'ai fait du 25-12, il me semble, et du 7-7. C'est quand même pas mal, hein. Quand même des beaux flash cop, des beaux quiz cop, bon bref, on s'en fout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à plus tout le monde, c'était Crytex. Bisous. Sur la bouche. Non, je rigole. Allez, à plus tout le monde, c'était Crytex.